Good morning. Allez, Yidane, les yeux, aujourd'hui, le lundi, je m'admire, le verbe, je m'en vais, 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 je aussi vais, une prochaine étude de Mishnah collecte de sa communauté éternelle. Nous étudions Masechet Zvachim, Perekyu de Mishnah Bet. Vechol amikudash mechavero kodem et chavero. Dam chatat kodem le dam ola mipenechi ou meratze. Evrei ola kodmin le emure chatat mipenei shehen kalil la ishim. Chatat kodemet le asham mipenei shedama nitan al arba keranot ve al yisod. Asham kodem le toda ole el nazir mipenei shu kodshe kadashim. Atoda ve el nazir kodmin le ashlamim mipenei shehem nechalin le yom echad utunim lechem. Shlamim kodmim le bechor mipenei shehem teunim matan arba usmicha. On a commencé depuis le Perek Yud, le sujet des priorités des korbanot. Lorsqu'au Beit HaMikdash, on a plusieurs korbanot à apporter, selon quel ordre, à qui donne-t-on la priorité? Est-ce qu'on est le premier venu? Si deux arrivent en même temps, il faut bien choisir entre les deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on avait appris dans la Mishnah précédente, qui était la Mishnah de jeudi, avec mes petites erreurs, on avait appris la grande règle de celui qui est le plus fréquent. Maintenant, bon, là-bas, c'est bien pour les korbanot de mitzvah, que soit tous les jours, soit tous les shabbatot, soit à Rosh Chodesh, pendant les fêtes. Mais là, maintenant, on va parler des korbanot personnels qui ne dépendent pas du temps, donc qui dépendent de la nécessité. Alors la Mishnah m'enseigne comme ça. Kol amekudash mechavero kodem et chavero. Tout celui qui est plus saint que l'autre, alors il le devance, il aura priorité sur lui. Comment est-ce qu'on définit qui est plus saint ou non? Ça nous rapporte au Perek Hey, le fameux Perek de Ezeu Mekoman Shel Zvachim. Là-bas, on apprenait toutes les halachot particulières de chacun des korbanot. Et là-bas, selon des critères qu'on va justement découvrir dans notre mission, on va définir ça, ce qui est le plus important. Lui, un tel est plus important que l'autre parce qu'il a ça. Ouais, vous rappelez qu'il y en a qui étaient consommés en deux jours et d'autres qui étaient consommés en un seul jour. Il y en a ceux qui ont donné le sang en haut sur les kranot. Sur les quatre coins, on montait sur le Kevesh, qui était quelque part quelque chose de plus solennel, et comme ça, ainsi de suite. Donc ça va nous permettre de hiérarchiser les korbanot. On va commencer dans la première partie de la Mishnah, on va comparer la Ola et le Khatat. D'abord, je rappelle les mitzvot de chacun. Le Khatat, la Ola, plutôt on va commencer par la Ola. La Ola, on la porte en général en tant que cadeau. On n'a pas d'obligation d'apporter une Ola, en général. Et c'est une offrande holocauste qu'on offre tout au Mizbéach. Il n'y a rien qui est consommé. Le sang est aspergé en bas, c'est-à-dire on ne monte pas sur la rampe, on reste en bas sur le Mizbéach. On va faire 2 fois 4. D'accord? C'est-à-dire on va dans le coin va dans le coin. Il asperge une fois, il touche en même temps 2 coins, il va de l'autre côté opposé. Et il asperge une fois dans le coin, donc ça va toucher les deux faces. Et comme ça, on va avoir les 4 faces du Mizbéach qui ont été touchées. Ça, c'était pour la Ola. Une fois qu'il a fini, il faut verser les restes sur le yesod, sur le socle du misbeach. À la différence de la khatat, il fallait prendre le sang, la monter sur le kevesh, la rampe, et puis là-bas bifurquer, comme on avait appris dans le dessin, et bifurquer, et puis aller verser, poser du sang sur les quatre coins. Ok? Voilà les points importants à se souvenir pour la khatat. Et maintenant, on apporte aussi un point important aussi. On apporte un khatat lorsqu'on a commis une faute sur laquelle on est passible d'un karet. Une faute pour laquelle on est passible d'un retranchement. Quand on a transgressé le Beshogeg, alors on apportera un korban khatat. En l'occurrence, Shabbat, transgression de Shabbat, de Yom Kippour, si elle a mangé du sang, des graisses interdites. Tout ça, c'est des fautes sur lesquelles on est passible d'un karet bemezid. Et Beshogeg, il faudra apporter un korban khatat. La Mishnah me dit comme ça. Dam khatat kodem le dam ola, mi pene shehu meratze. D'abord, je traduis les deux parties, après j'apporte une précision très importante. Le sang du khatat a priorité sur le sang de la Ola. Mi pene shehu meratze, parce que le khatat, il est meratze. Il vient expier une faute. Et donc, on donne priorité à l'expiation de la faute avant de celui qui veut faire un cadeau. Il y a quelque part, soit une urgence plus grande, soit un outrage plus grand pour le roi qui a été offensé celui qui a transgressé la faute, il a transgressé l'ordre d'Hachem, donc il faut se dépêcher de dire pardon au roi. Mais par contre, la Mishnah continue en me disant « Evrei ola kodmin le emure khatat » Là, on va comparer les parts
qui monte sur le misbéach de chacun des korbanot. Dans la hola, c'est tous les membres. Et dans le khatat, c'est uniquement les graisses. En tout cas, si maintenant on a deux korbanot, les graisses d'un khatat et tous les membres même d'une hola, à qui donne-t-on priorité? La Mishnah m'enseigne, et ben on donne priorité aux evaré hola, aux membres de la hola. Ils ont priorité sur le khatat. Pour quelle raison? Mipene shehen kalil laishim, parce que cette fois-ci, il y a la singularité dans la hola de tout mettre kalil laishim, intégralement au feu. Il n'y a rien qui est consommé, donc ça fait preuve que c'est un cadeau plus grand. Là, maintenant, il faut s'arrêter 30 secondes et faire un petit peu le point. Il y a un petit problème technique. Une fois, on a donné priorité à la khatat, une fois, on a donné priorité dans la hola. Lorsque tu me parles du sang, alors tu donnes priorité à la khatat. Lorsque tu parles de griller la viande, tu donnes priorité à la hola. D'accord? C'est ce qu'il y a écrit. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'asperger le sang, tu as les deux verres, deux kohanim qui sont là. Un, il a aspergé, il a récupéré le sang d'un khatat. L'autre, d'une hola, tu dis khatat, toi d'abord. Et l'autre, une fois qu'ils les ont dépecés, ils se retrouvent avec les plateaux maintenant. Et tu vas dire, cette fois-ci, tu diras, la hola, elle monte d'abord parce qu'elle est plus sainte. D'abord, le principe, il est très simple. C'est tout à fait normal. Celui qui est méchaper, l'accapara, le fait d'expier la faute, c'est uniquement lorsqu'on verse le sang. Donc une fois qu'on a fini de verser le sang, alors il est évident que la hola, elle va récupérer son statut d'être, au contraire, entièrement pour Hachem, donc quelque chose de plus haut. Ok? Il y a un petit problème technique par rapport à la Mishnah Dalet. Quand on y arrivera, si on aura le problème, on solvera le problème. Pour le moment, on parle concrètement, je vous donne la solution, même si je n'explique pas les questions et tout ça. On parle concrètement qu'on a égorgé les deux korbanot, qu'on se retrouve avec les deux korbanot devant nous, à qui donne-t-on priorité? Tandis que, en fait, si on a la possibilité de... Si on a les deux devant nous, commence à faire le khatat, va jusqu'au bout, et puis ensuite, occupe-toi, commence à faire le hola, c'est pas la peine de les entremêler. On continue à présent avec la suite de la Mishnah, on compare. Khatat kodemet le hasham, mipene shedama nitan al arba keranot vers la yesod. Le korban khatat, il devance le korban hasham. Vous vous rappelez qu'on apprenait dans les hashamot qu'il y a 6 raisons de meila, hasham zelot, hasham meilot, hasham shifra, chorofa, Hacham Nazir, Hacham Mesora, Hacham Talouï, ils sont tous explicités là-bas dans le Ezeo Mekohen Shazavachim. C'est pour d'avoir bien singulière. La Torah l'a dit, pour ça, tu apportes un khatat, un Hacham. La différence du khatat, qui est beaucoup plus générale. Maintenant, dans la différence, le Korban Hacham, on le fait en bas du Misbéach. Et on le fait en bas du Misbéach. La différence du khatat, qu'il faut monter le sang. Et cette fois-ci, c'est ce qui va faire la différence, justement. Lorsqu'on se retrouve avec un korban khatat et un korban Hacham, à qui donne-t-on priorité? Au khatat. Pour quelle raison? Parce que son sang, il va monter en haut du misbéach, ça signifie qu'il est plus sain, il est plus important. D'accord? Donc le khatat kodemet le hasham, mipene shedama nitan al arba keranot vala yesod. Le khatat devance le hasham parce que son sang est versé sur les quatre coins, il est posé, d'accord, il est aspergé, sur les quatre coins des keranot, des angles, et en plus de ça, que même vala yesod. Une fois que tu redescends, tu dois en plus de ça, la Torah insiste, de verser les restes sur le yesod. Tandis que le hasham, alors là ça devient compliqué. Le hasham, bon, alors le hasham c'est simple, tu fais shtaim shen arba. Tu vas donc dans les deux coins en bas, tu verses deux fois, donc ça fait moins. Mais il y a un petit problème technique, c'est que de la Mishnah c'est machma que le hasham, on n'a pas besoin de verser sur le yesod, sur le sod du misbéach le reste, et ça c'est une halakha fausse. Et en fait, ils expliquent tous les mefarshim que le but de la Mishnah est de dire juste que c'est pas explicite dans la Torah. Donc c'est une perte d'importance, quelque part. Ok? Ensuite, Hacham kodem le toda ve'el anazir, mais penechou kodesh kodashim. Si on a un korban Hacham et des korbanot de toda et de el nazir, vous savez bien, les toda et el nazir, ce sont des korbanot qu'on apporte avec, en apportant en plus de ça plusieurs pains qui étaient consommés. Il y avait 40 pains pour la toda qu'il fallait consommer en un jour et une nuit. Et tandis que pour le el nazir, lorsque le nazir va vouloir se purifier et finir plutôt sa naziroute, alors il va devoir apporter aussi des pains, cette fois-ci je crois que c'est 20 pains uniquement. En tout cas, concrètement, la Mishnah m'enseigne, sache que le Hacham il est plus important. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez là-bas, dans les Omekom et Shazvachim, on apprenait que le Korban Hacham, il est Kodesh Kodashim. Il est suprasaint. Et ça implique qu'il n'a pas le droit de sortir de la Hazara. On n'a pas le droit de faire sortir l'enceinte du Beth Amikdash. Il est consommé que par les Kohanim à l'intérieur de l'enceinte du Beth Amikdash, même pas par leurs femmes et leurs enfants, puisqu'ils ne rentrent pas a priori là-bas. Et de ce fait, donc c'est pour ça que le Hacham il est plus grand que le Toda et le Nazir, que eux peuvent être consommés à l'intérieur de tout Yerushalayim, parce que ce sont des Kodashim Kalim. C'est des Kodashim saints, mais simples. D'accord? À présent, on continue maintenant, on va descendre les Kodashim Kalim, en comparant à Toda et le Nazir, Kodmin le Shlamim, Mipene Shenechalin,
Shehen nechalin le yom echad utunim lechem. Si on doit comparer maintenant le Toda et El Nazir d'un côté, Korban Toda et El Nazir, et eux devant sont en priorité sur le Korban Shlamim, un simple Shlamim que l'on offre. Pour quelle raison? Parce que eux, le Toda et le Nazir, spécifiquement, il faut les consommer durant un jour et une nuit uniquement, dans la journée où tu l'as apporté, et la nuit qui suit, et le lendemain matin, interdit d'en laisser. À la différence du Korban Shlamim, qui est consommé durant deux jours avec une nuit au milieu. Donc, tu laisses plus de temps pour le manger, ça signifie qu'il est moins kadosh. Ok? Shlamim kodmin la bechor, mipene shen tounin matan arba usmicha, unesachim utnufat chaze vashok. Maintenant, on va comparer le korban shlamim avec un korban de bechor. Bechor, c'est quoi le bechor? C'est le premier-né des animaux, de chaque animal, que ça peut être une vache ou une brebis ou une, je sais plus comment ça se dit, une chèvre. Alors, là-bas, dans les trois, dès qu'il a le Peter Hamor, le premier qui va lui ouvrir la matrice, lui, il a une Kdushat Bechor. Il est devenu saint, il a une Kdushat Bechor. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut l'apporter au Beth Amikdash, le donner au Kohanim, et le Kohanim, ils le gorgeront et le mangeront. Si on a un Shlamim contre un Bechor, qui a priorité? La Mishnah m'enseigne Shlamim Kodmim la Bechor, que c'est les Shlamim qui devancent le Bechor. Pour quelle raison? Parce que tout d'abord, l'échlamim, il faut le donner quatre fois, c'est-à-dire Shtaim Shen Arba. Si vous vous rappelez maintenant de Ezum Mekomen Shazvachim, on avait l'échlamim où il faut Shtaim Shen Arba, deux aspersions en touchant les quatre coins, parce que tu le fais dans l'angle. Et ça, c'est un point, alors que le Bechor, une fois que tu l'as gorgé, il faut juste verser sur le socle, ça ne va pas le mettre en faire plus. Donc il est moins solennel, moins grave. D'accord? Donc, Matan Arba, on a expliqué c'est quoi Matan Arba, 4 dons, c'est-à-dire 2 fois 4, 2 fois 2, donc on va toucher les 4 faces, avec en plus ça, ou Smicha, ou Nesachim, ou Tnufat Razavashok. Smicha, c'est que, avant de l'égorger, le korban, pour la plupart des korbanotes, à l'expression justement du Bechor, et du Maaser aussi, je crois, alors il y a une mitzvah de faire la Smicha, on pose les mains sur l'animal et on appuie fort. Et en quelque part, et ensuite on va exprimer par cela que ce que moi je devais mourir parce que j'enfreins le Ressan Hachem, ce sera l'animal qui partira à ma place. D'accord? En tout cas, donc ça c'est la smicha. Unesachim, c'est le fait d'offrir en plus à des offrandes, des oblations de vin pendant qu'on a c'est la parashat Hashavua d'ailleurs, parashat Meforash dans Shlach Lecha, où une fois que quand tu apportes le korban, tu dois aussi apporter des nesachim. Ça c'est bien pour le shlamim. Des nesachim, c'est aussi une offrande de vin aussi. C'est bien pour le shlamim, mais ce n'est pas juste pour le bechor. Pour le bechor, c'est pas la peine de le faire. Ou tu ne fais pas de choc aussi. Une fois que lorsque tu as porté le shlamim, il y a la mitzvah de le balancer avec le kohen. C'est tout un rituel qu'on aura l'occasion d'approfondir. Bezat Hashem. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha. Kol tov, salam.